dans 120 jours, doit faire élection en cas de vacances présidentielles. Dans la quatrième année, c'est l'Assemblée, dans la cinquième année, c'est l'Assemblée nationale là, qui est supposée élue et réunie pour élire au monde pour président en cas de vacances présidentielles. Résultat, nous avons toujours bon problème, sans compter. Récemment, nous avons un conflit entre l'article 54.1, 54.2, etc. Chaque monde campé dans le bois, pour que il est clair que le président est élu pour 5 ans, nous avons toute discussion qui vient autour de la question ça. C'est pour nous dire que je vous dis, si nous sommes capables de arriver et faut nous arriver à une nouvelle constitution, je vous dis, c'est l'opportunité. Le texte, il est public. Et c'est pour ça que tout le monde, organisation de base, organisation paysanne, organisation et femme, organisation qui a travaillé pour aider le pays à avancer, directeur l'école, parti politique, il faut que chita pour approprier le texte là, pour faire des recommandations, voyez le bail comité et consultatif indépendant qui pourra avoir une responsabilité pour le Galéo, qui pour permettre de nous sortir à un texte qui reflète les besoins nous aujourd'hui. Éliminer les conflits qui gagnent et certainement permettre nous arriver à une autre constitution d'un référendum qui est fait le 27 juin qui va venir. Deuxième élément que je devais parler de lui, c'est le ministre a parlé de l'identification, le directeur a parlé de lui, je devais accentuer pour un peu de monde sur la question de chiffres qui va là. Question de 6,5 millions de monde qui ont cap électoral là même. Il y a des bonnes différences. Les bons cadres électoraux, je vous dis, il y a un cadre d'identification nationale. Deux bagages différents. Et un cadre d'identification nationale là, il y a un numéro d'identification unique. Ça veut dire que plus tard, il faut que tout pays et chaque citoyen identifié par un numéro et numéro ça, quel que soit sort fait dans le pays. Nous tout connaissons. Le cadre électoral là, c'est un numéro. T'es bon numéro NIF qui t'a servi, t'es bon paquet numéro qui a ici qu'on identifie pas. Je vous dis, il y a un code d'identification nationale et il y a un numéro d'identification unique. Maintenant, qui s'est passé sur les états sont dit rapidement, dans l'ancienne code là, parce que il y a pile monde qui a demandé, mais qui quantité de monde qui doit ou qui a voté en Haïti? Je vous dis, personne n'a pas de réponse. Ça va dire pour qui ça? Parce que seul bagay qui a dit nous, qui quantité de monde qui a plus que 18 ans dans le pays, c'est le recensement. Le recensement fait tous les 10 ans. Le dernier recensement qui a fait en 2003. Regardez bien, 2003. Le recensement en cours en 2021, il ne peut pas compléter. Ça veut dire que pas de recensement, donc pas de personne qui est détenteur d'informations pour dire combien de monde qui a plus que 18 ans dans le pays. Ça, c'est clair comme information. Mais là, sous bas ça, nous allons dire, et quand il y a le monde qui chita, même le secrétaire général des Nations Unies est intervenu sous lui, sous question qu'il y a 6,5 millions de monde qui ont un âge de vote. C'est qu'il y a 6,5 millions de monde qui ont un cap. Et si nous songeons l'histoire, nous sommes un nègre dans la bataille de 2015-2016 qui était développé, qui était gourmé. Et qui était dénoncé zombie caroté. Vous vous souvenez de ça? Pour qui ça zombie? C'est parce que on monte des gars avec 10 cap, on monte des gars avec 15 cap, parce que comment 4 la défaite, c'était moins pareil à deux témoins. Je dis c'est Mathias Pierre, il fait photo, il y a bon 4 là. Moins pareil dans l'autre bureau avec deux autres monde, moi dis c'est Jean-Alexis, il fait photo, il y a bon 4 là. Donc autant de fois que je parais dans autant de bureaux que je parais. Que m'identifier avec deux mouns, je n'ai pas autant de cartes que je voulais. Et comme moi, j'ai un paquet de cartes avec un paquet de numéros, ça veut dire que même moi, même là, avec même visage, je n'ai pas voté autant de fois. Parce que dans la liste électorale, là, dans le registre électoral, là, je viens de paraître plusieurs fois. Je veux dire, avec système d'identification unique, là, comme je prends photo, je prends empreinte tout. Vous prenez face ou facial ou vous prenez iris ou, et ça déjà se dit là, pas de quel moyen je vous dis à travers le monde pour que des mouns capables totalement identiques à partir de toute information ça. Et sur l'information que vient de DGA qui a répondu pour nous tout à l'heure, si vous avez deux jumeaux identiques
côté que yo fait parler vrai jour 20 du mois et puis yo fait pour et puis information yo détecté dans système là pour système là campé soit déjà dit dim il campé là demandé font investigation pour est-ce que c'est même monde ou bien etc jusqu'à ce que yo résolu parce que ça qui arrivé en dedans facial mais pas bien l'organe facial l'organe empreinte l'organe photo l'organe iris là il bon plusieurs informations pour checker par exemple moi-même je suis la caméra dans iPhone, côté que madame moi avec une petite fille presque identique. Une petite fille plus jeune que madame moi, et bien le téléphone maman regarde les nouvelles. Mais maman va foutre sur le téléphone par là avec fille par là. Ça veut dire que ça caille bien c'est dans facial là, rien, mais l'autre check en prête là, il va foutre même, etc. Ce qui veut dire, c'est pour que ça que quatre là, les lignes plus compliquées pour faire. Dans le sens que il faut checker toute information ça a eu, et faut pour avoir fiabilité mais numéro d'identification unique en pile monde parler de bagaille ça je vous dis m'a essayer clarifier pour vous parce que information ça li important et déjà là caméra ou mettre zoom 4 ça il y a deux numéros là-dedans un numéro là on est là, ouais, sous main gauche, moins sous main là, qui qu'on a répété le bon H là-dedans. Numéro ça, selon DGA, la expliquer nos piliers, d'après ça, l'expliquer. Chaque loi le font 4, ou bien t'as dit 4 ou perdu, avec une déclaration de la police, pour une raison quelconque, il y a un 4, et bien numéro ça, différent, en l'air. Mais numéro d'identification unique là, c'est numéro qui en bas, qui a une petite photo tout petit, bon côté là. Regardez tout carte nous sur internet là côté dit mon nan gen plusieurs carte nan mel n'a pas que mon nan tout carte ça yo dans numéro en bas numéro d'identification unique côté gen petit photo tout numéro yo même il te fait un cas côté me font tweet sur lui côté la liste relé matin midi à soir pour mande qui dernière information qui disponible qui dernier chiffre qui disponible sur travail on y a fait qui dernière avancée qui fait par rapport à travail ministre Mathias et qui élément nouveau qui est disponible par rapport au travail ministre et qui François a fait. Donc maintenant, nous comptons recevoir trio ça pour la presse pour que nous soyons capables de gagner tout dernier élément d'information qui est disponible, comment on y a avancé, les chiffres qui ont gagné dans le temps par rapport à l'élection, gros avancée qui fait jeudi à le cadre processus électoral là. Donc nous comptons accueillir maintenant le ministre Mathias Pierre qui est chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Ministre Guy André François Junior, chargé de questions citoyenneté et patriotisme, et puis DG ONIA, M. Elibert, qui portait en pile information pour nous. On a commencé avec ministre Guy François, qui va dire nous comment ça a avancé, et qui importance ça a gagné pour que le monde gagne 4 la jeudi, et dans le niveau diaspora, qui pas, qui déjà franchi pour que les compatriotes nous offrent l'actuel de la diaspora, arrivent à participer comme ça doit. Dans le processus électoral, là, notamment référendum, élection ici en Haïti. Ministre Guy-André François Junior. Merci, chers collègues, secrétaire d'État à la communication, chers collègues, ministre délégué Mathias Pierre, directeur général de l'ONU, même la presse qui est là, tout le monde qui a regardé, tout le monde qui a regardé nous en ligne là. Fait plaisir pour moi avec nous matin. Jeudi, nous allons parler sous affaire d'identification. Et ceux qui ont marché et nous font tirer et tout pour nous partager des informations assez importantes avec la population. Premièrement, il faut tout le monde connaître que les affaires d'identification pas supposé une option, c'est une obligation, c'est un devoir citoyen que lié. Qui veut dire que les affaires baptistes, les affaires cadres d'identification, n'est pas supposé, c'est pas comme si est-ce que vous les faites ou pas. Non, c'est un devoir. Pour n'importe citoyen. Ça veut dire que au monde, vous devez un baptiste ou devez un cadre d'identification. Donc, et en novembre 2021, nous connaissons que le président Jovenel Moïse a pris une décision pour les affaires d'identification, pour te renforcer tous différents secteurs, que ce soit le ministère de justice dans les affaires baptiste et avec l'ONU dans les affaires cadre d'identification. Donc, là, exercice ça, nous connaissons que nous mettons en priorité dans les affaires formulaires parce que nous avons environ 3 millions d'Haïtiens qui partent gagner baptistère.
Donc, l'exercice ça nous gagnons presse nationale côté président, tu passes instruction pour gagner une commande de 3 millions formulaires. Et nous connaissons qu'au niveau ministère de justice, chaque année, c'est 100 000 formulaires que nous toujours mettez disponibles pour les affaires d'identification. Mais fois ça, l'opération coup de poing, ça, c'est 3 millions formulaires. Côté Jodia, nous environ à 2,5 millions formulaires qui déjà à disposition ministère de justice. Côté nous connaissons, c'est officier d'état civil avec clerc qui régler les affaires baptistères. Et nous continuons pour nous dire que les affaires baptistères, c'est un service qui est gratis ou pas supposé payer pour gagner un acte de naissance. Maintenant, nous allons parler sous affaires 4 d'identification. Nous avons déjà eu un peu plus de détails, mais nous allons parler rapidement de compagnie de Dermalog. Dermalog sont compagnie allemande, sont compagnie côté 4 disponible dans un paquet de pays, pas seulement en Haïti. Faut nous dire tout que 4 ça, même gens que nous-mêmes je dis à nous avons un iPhone, nous avons toute qualité de téléphone, mais il y a des années de ça, c'est beeper. Donc de jour en jour, le monde a évolué. Donc nous avons décidé pour renforcer le système d'identification, qui veut dire que pour ne pas prendre la fraude ou bien dans un paquet de duplication au niveau de carte. Donc nous avons un carte qui est très crédible à partir de différents systèmes biométriques. Qui veut dire ou bien iris, qui c'est yeux là, nous avons un système facial là, et nous avons un système empreinte digitale là. Qui veut dire que trois bagages ça y est, prend en considération, nous allons faire quatre. Donc qui veut dire que c'est peut-être ça, nous allons chercher, faire quatre ou mettre après tout, nous allons chercher quatre ou mettre après tout. Qui veut dire que son système très important, on ne peut pas dire on allons chercher quatre ou c'est où pour aller nous-mêmes parce que faut mettre après tout pour qu'après quatre là. Donc, nous allons parler de qui a marché au niveau de l'identification, premièrement au niveau local. Côté Jean de Titadea, nous avons environ 3 millions de personnes, que ce n'est pas seulement haïtiens qui vivent en Haïti, mais la diaspora. Donc, au niveau diaspora, nous avons dit son grand premier, côté que les affaires d'identification sont en réalité, côté mission diplomatique qui a déjà commencé à recevoir appareil l'ONU. Côté, nous avons pays, 7 domaines avec les États-Unis. Par exemple, nous avons 7 missions diplomatiques en République aux États-Unis et 5 missions diplomatiques, 7 domaines. Et nous avons dit, les gens qui sont dans les pays d'Amérique latine, Chili, Argentine, Brésil, et pays dans les Caraïbes, en Europe, en Asie, en Afrique, nous connaissons avec les affaires pandémie Corona, ça, nous connaissons des pays qui ferment. Par exemple, Canada, la France. Et des pays comme le Brésil qui sont bien 4 000 morts là. Donc, il y a pile de mesures qui prennent. Donc, nous avons fait un monde sérieux, citoyens qui vivent, diaspora qui vivent dans la zone sérieux, que l'appareil de l'ONU est arrivé. Mais formation, nous avons fait fort, nous avons fait opérateur de l'ONU pour aller pour faire formation pour nous. Donc, nous disons, nous avons privé sur nous, mais il faut nous respecter les mesures protocolaires sanitaires. Donc, à n'importe quel moment, depuis. Et les mesures levées, nous avons venu en aide avec Mounsaï. Nous avons un chiffre pour nous, mais nous avons une date, parce que on va célébrer 2 ans depuis nous commencer avec l'enregistrement avec l'écosystème. Donc nous avons commencé en mai 2019, donc mai 2021, on va faire nos 2 ans. Et donc ici, c'est avec grand plaisir qu'on dit que nous avons fait grand avancement. Avec nouveau système ça, parce que les chiffres là, matin, regardez, il était 4 346 000 citoyens qui déjà enregistrés dans le système. Donc, ils n'ont pas avancé aussi bien parce que l'ancien système là, nous avons 6 millions de monde qui étaient enregistrés là-dedans. Donc, nous n'avons pas avancé très bien pour nous arriver dans le chiffre côté, nous avons arrivé. Mais cependant, nous voulons parler de l'acte de naissance. Nous avons autorisation dans l'ONU pour agent ONU, opérateur ONU, qui est capable de remplir le formulaire mère et père pour travailler avec l'État civil pour nous assurer que nous avons acte de naissance. Parce que en pile fois nous vivons à côté, nous n'avons pas gagné acte de naissance, donc nous ne sommes pas capables d'enregistrer. Parce que d'après la loi, la Constitution dit que ces pièces ont besoin pour faire justement pour gagner un code d'identification nationale.
Donc, nous travaillons avec le ministère de la Justice, non, avec l'État civil, pour nous assurer que ça va être fait. Donc, nous déjà gagné un formulaire nommé agent ONIO, côté de travail avec l'État civil pour nous capables. Donc, pour les formulaires, pour tout gagner acte de naissance, et puis pour nous capables d'enregistrer, pour capable gagner acte de naissance et carte d'identification, nationale. C'est très important, surtout dans le côté qui est régulier, côté nous n'avons pas gagné acte de naissance, donc nous n'avons pas capable d'avoir une carte d'identification. Et nous créons un système qui n'est pas exclu personne. Pas vrai? Nous mettons trois bureautiques que le ministre a parlé. Nous avons choisi trois bureautiques parce que c'est ça qui est plus avancé de l'Europe. Mais lui permet de ne pas exclure aucun citoyen. Parce que au monde qui était un accident, il perd du tout de plein de lit, il a toujours enregistré parce qu'il est facile là, il y a un risque. Au monde qui est aveugle, il n'y a pas de risque, il a toujours un facile là. Donc, il y a toujours une biométrique que je suis capable d'utiliser pour positivement, uniquement, identifier. Donc, c'est ça fait qu'il me fait plaisir parce que c'est la première fois que je suis capable de faire. Tout le monde est capable d'exercer le droit lorsque il y a une élection et il est capable d'exercer le droit la banque avec tout le côté que vous avez à faire. Donc, nous sommes fiers du de travail que nous faisons. Nous faisons un grand avancement. Ma petite question est ouverte pour la presse.